Quelqu'un peut m'appeler ? Ok, je le fais. Qui est-ce ? C'est Jaden. Tu peux dire à ta mère que je la trouve canon. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bye. Je veux seulement m'assurer que toutes mes informations sont exactes. Mettons-nous au travail. Tu savais que Caroline était morte ? Dis-moi quand t'es allé chez elle pour la dernière fois. On travaillait ensemble sur des dossiers. Il nous arrivait de bosser tard le soir et parfois on allait chez elle. Il y avait tes empreintes dans la chambre. Est-ce que Caroline et toi aviez des relations intimes ? Est-ce que je suis suspect ? Parce que je l'ai pas tué. T'étais chez elle le soir en question. Tu ferais bien de te trouver un avocat. Si jamais, si jamais ça va arriver, je vais être arrêté. Ils vont voir que j'étais obsédé par elle. On peut dire que je la harcelais. Tu sais que le soir où elle a été tuée, il lui a envoyé 30 messages. 30 messages ? Je vis les heures les plus sombres de toute ma vie. Toi et moi, on va se battre ensemble pour sauver notre famille. Il faut qu'on présente un suspect crédible qui n'est pas moi. Il était ligoté comme la victime d'une affaire précédente. Caroline a travaillé avec moi sur l'affaire. Tu veux dire qu'on aurait mis un homme innocent en prison ? Vous êtes tous à moi. Vous êtes un suspect, c'est ça ? Je ne l'ai pas tué. Tu crois sincèrement que j'ai tué Caroline ? C'est la question sur toutes les lèvres. Je ne suis pas un menteur. De toute évidence, vous en êtes... J'ai menti pour la liaison, mais... Je l'ai pas tué. Barbara pense que t'es coupable. Je veux dire, tu me connais. L'avez-vous frappé ? Votre empreinte ADN était sur les lieux. Il a peur que tu finisses ta vie en prison. Il y a autre chose ? Je ne l'ai pas tué. Il est taré. Ils ont pas de preuves pour me faire tomber. Je ne l'ai pas tué. Combien de fois il faudra que je te répète ? Papa, arrête ! Je ne l'ai pas tué. Jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je ne l'ai pas tué.